franchement les gars, à mon avis, faut commencer à la tirer cette putain de sonnette d'alarme. Alors oui, on va me dire que ça va faire 2 matchs. Ok, c'est le début, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si tu continues comme ça, bah au bout de 10 journées, t'auras chopé quoi? 3 points? 9 points? Et tu crois qu'en fin de saison, Dijon, ils vont être capables de faire un finish à la Toulouse comme l'année dernière? Il y a des... C'était pas un mauvais match en soi hier. C'était pas un mauvais match. Il manquait, voilà, la réussite, la finition, le but. Mais pour marquer un but, ben, je pense, et ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, il faut un buteur. Je suis désolé, on va en revenir, on va encore en parler 15 000 fois de ça. On n'a pas de buteur au niveau de la Ligue 1. C'est clair et net. Tavares, il nous a rendu bien des services l'année dernière avec tous les buts qu'il a mis. Il n'aurait pas mis tous ces buts-là. Il faut être conscient qu'on ne serait pas en Ligue 1 aujourd'hui. Mais Tavares est quand même léger pour la Ligue 1. Alors, un mec comme Johnny qui peut apporter de la vitesse, bon, tu me diras, quand il est rentré face à Nantes, on ne l'a pas vu. Dalloglio, il avait fait le choix de ne pas le prendre. On ne sait pas forcément tout ce qui se passe, hein, on va dire un peu en interne. Donc on va dire on respecte son choix. Mais le problème, c'est que tu as un mec comme Rivière sur le banc. Rivière, il est aussi bien gentil. Mais à un moment donné, les gars, faut passer à autre chose. Ou à un moment donné, il ne faut pas avoir d'ambition. Faut pas avoir d'ambition. Alors ça ne sert à rien de cravacher toute une année de Ligue 2 pour essayer d'être dans les 3 premiers pour monter. Et une fois que tu es au niveau, que le sésame il est en face de toi, crache pas sur la Ligue 1, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je pense que tu es en Ligue 1, tu veux y rester, tu donnes les moyens. Hein, pour ceux qui suivent un peu les autres matchs, notre ami Christopher Julien, qu'on n'a pas voulu acheter parce que 3 millions c'est trop cher, hein, que je pense que quand il va être vendu de Toulouse, les 3 millions qu'ils ont investis, ils vont s'en mettre au moins 10 dans la poche. Et bien hier, notre ami Julien, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué sur corner comme à son habitude. Voilà. Et un mec comme ça, il était précieux. Parce qu'il mettait des buts. Quand t'as pas d'attaquant pour mettre un but, ben t'es bien content que ton défenseur il t'en mette un. Maintenant, c'est vrai que hier, on a eu des belles tentatives d'Amafitano, de Bamboula. Voilà, il y a eu une belle occasion avec le débordement, le petit crampon de Chafik, le grand pont qu'il met, il sent Tavares qui talonne pour Amafitano. Bon, voilà, elle a un petit peu détourné. Voilà, on a eu les quelques occasions, voilà, dans un match de Ligue 1. Un petit club comme Dijon aura les 3-4 occasions. Voilà. Maintenant, il faudra en mettre une et puis espérer que derrière, les autres n'en mettent pas. Et puis essayer de grappiller des points. Ça va être compliqué. Voilà. De toute façon, ça va être très, très, très compliqué. Faut pas croire qu'on va mettre des pilules ou je ne sais quoi. Excusez-moi, mais on va en chier cette année. On va en chier. On va souffrir. Ça va être horrible. Mais, de toute façon, et ça, j'en démords pas. De toute façon, à mon avis, ils ne vont pas nous acheter d'attaquants. Voilà, la fin du mercato va arriver, on n'aura pas d'attaquants. Mais moi, je vous fais le pari que si ça stagne trop et que la machine ne s'enclenche pas à la trêve, ils vont essayer de tout retourner pour nous trouver un attaquant. Je ne sais pas qui c'est qu'ils nous trouveront. Ouais. Voilà. Mais, alors, est-ce que l'apport de Martin au milieu de terrain, quand il va arriver, s'il ne se blesse pas, si tout se passe bien, est-ce que ça va apporter un plus? Voilà, mais après, vous allez me dire, Martin, oui, mais on va le mettre à la place de qui? Qui c'est qu'on va enlever au milieu? C'est pas évident, voilà. Quand je vois qu'un mec comme Lesmelou qui était sur le banc hier, qui n'est pas rentré, voilà, j'aurais préféré, à la limite, en fin de match, tu me le fais rentrer plutôt que Rivière. Voilà, Lesmelou, avec ses dribbles, voilà, on connaît ses qualités, il aurait pu faire du bien. Bon, voilà, on perd, voilà, c'est un petit peu cruel, on perd à la 87e, on prend ce but, voilà. Baptiste a fait ce qu'il fallait, voilà, il a retardé l'échéance, il nous a fait une parade sur une tête d'Eder, il va nous la chercher, bon bah voilà, il a fait le boulot. Dans un sens, voilà, personne n'a forcément été ridicule, voilà, c'est toujours le problème, voilà, l'inefficacité. Voilà, c'est le mot là, on va dire, depuis 2 journées, l'inefficacité. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus voiler la face, le match qui se profile samedi à 17h face à Lyon, Ça va être dur si on arrive à grappiller ne serait-ce qu'un point. Mais bon, après, dans le football, voilà, on ne sait jamais. Ça peut très bien se passer.
Alors, ça peut être un jour avec pour nous, puis un jour sans pour Lyon. Donc, j'ai envie de te dire, si on tape les Lyonnais, franchement, on va tous être en furie dans le stade, à mon avis. Ça, c'est clair. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est comme tout. J'espère que samedi, les gens feront le nécessaire pour encourager les joueurs. Pas forcément commencer à les critiquer au bout de 2-3 journées. Voilà, c'est des trucs... Je comprends, mais à un moment donné, les gars, voilà, hier, les Lillois, qu'est-ce qu'ils ont fait, le public Lillois? Bah, ils poussent leur équipe, ils poussent. Voilà, et au final, le but, tu le mets à la 87e. Il n'y a pas de miracle. Le 12e homme, c'est la clé. Mais ça, tant que les Dijonais, les gens qui viennent au stade ne l'auront pas compris, eh ben, on va perdre des points. Bon, en tout cas, on n'arrivera pas à en grappiller, ça ne les aidera pas. Voilà, voilà, écoutez, malheureusement, petit débrief assez court. Voilà, je suis un petit peu à toutes les infos. J'espère voir un nom qui circule en provenance de je ne sais où pour arriver à Dijon, mais à mon avis. Hein, ça va être la mort dans l'âme là, pour le mercato. Je pense qu'à mon avis, c'est bouclé. Donc écoutez, moi je vous donne rendez-vous au stade samedi prochain hein, pour encourager les Dijonais. Et puis, je vous ferai le débrief dans la foulée. J'espère, putain, j'espère qu'on pourra faire la fête et pouvoir célébrer ces putains de 3 points qu'on voudrait pour lancer cette saison. Allez les gars, ciao !